lancinante blessure d'être donc sature mes globes d'opacité, soude mes pavillons d'un silence surpressurisé, si bien que toute félicité, qu'elle soit des plus modestes ou même des plus humbles, échoue en vieille quille sur mes berges polluées. Or, mon père, c'est un devoir du vivant, et pour mieux dire, un rendu pour un donné, que de demeurer ici, dans le vide, éclairant de la beauté, un cercle immobile, mon père, parfaitement neutre et indolent, comme une piécette jetée au fond d'un puits. Donc la première fois que je suis venue à la Balsamine, c'était en 1996. C'était un exercice d'école. J'étais en troisième à l'INSAS. Et mon professeur, c'était Philippe Sireuil. Et l'auteur, c'était Jean-Marie Piem. La pièce, c'était Les Grandes Ombres. Et on était cinq filles de la classe qui jouaient le roi, la princesse, le peuple, la folle. Moi, j'avais le rôle de la folle. J'ai adoré ce rôle, c'était très intense. Je mourais, on m'abattait sur la scène, donc je mourais à la fin. J'adorais ça. Et donc, on est arrivé et le théâtre n'était pas du tout comme il est aujourd'hui. Il était beaucoup plus vétuste, mais très accueillant. Il y avait Christian Makils qui était là, derrière le bar et la billetterie. Et il y avait des tentures qui pendaient, noires et rouges. Je me souviens, les sièges étaient beaucoup plus vétustes. La salle était plutôt du côté gauche. Et je me souviens bien d'un bel accueil, très, très chaleureux. Cling, cling, ce qui reste. Et puis après, j'ai fait un gros spectacle qui s'appelait Ivona, avec une équipe de 19 personnes dans la grande salle. On avait beaucoup de liberté par rapport à la répétition, aux matériaux, aux gens avec qui j'ai choisi de travailler, des costumes de fou. De l'eau ! Et c'est évanoui. Très condensé, mais un moment fort pour tout le monde. Et puis, je viens de faire Léliane, que j'ai écrit moi-même, là, pour le coup, une fiction, avec six personnes sur le plateau dans la grande salle, dont cinq filles, deux qui font de la vidéo d'animation. Et là, on a beaucoup lâché, on s'est beaucoup amusé, parce qu'on était isolés à cause du Covid. Et du coup, on a pris beaucoup de plaisir et on avait vraiment la liberté et les espaces dans la Balsamine pour aller à gauche, à droite, vraiment faire ce qu'on voulait. C'était extraordinaire. La Balsamine, c'est un lieu où j'arrive, j'ai la liberté de circuler dans le foyer, dans le parc, dans la salle, dans la cuisine, dans les bureaux pour parler avec les gens. Et avec une équipe, j'ai la liberté de lâcher tout ce que j'ai fait auparavant comme écriture et comme réflexion chez moi à la maison et de tout lâcher pour faire vraiment ce que j'ai, ce que je vois, ce que j'ai envie de faire comme vision théâtrale.